Bonjour à toutes et à tous, c'est Tukwazi, le monde de la folie, bande de Mangoulou. Alors c'est... simplement aujourd'hui on va vous présenter un rappeur. Un rappeur, un bon rappeur. Qui est venu vers nous en plus, hein, qui s'appelle Kespar. Kespar. Alors tout simplement ce rappeur là, il a même fait carrément une reprise de Bob Marley de Dachou. Et ses sons c'est vraiment un style à la fois posé, mais à la fois un peu recherché. Voilà, même moi qui n'écoute pas vraiment, qui n'écoute pas du tout de rap en fait, voilà. Ça m'a vraiment plu, c'est vraiment posé, c'est vraiment calme. Il a déjà... je pense 7900 abonnés déjà. Ce qui est déjà pas mal du tout. Donc, hein. donc c'est vraiment pas mal, ça m'a impressionné. Donc bah allez faire un tour dans sa chaîne. On va vous montrer quelques extraits de ce qu'il fait. Voilà. Donc checkez ça, on mettra le lien dans la description comme d'hab. Et puis voilà. Et abonnez-vous les gars parce que franchement, c'est un bon gars et il fait de la bonne musique. Et moi j'aime la musique. Écoutez. Tous les jours en relais, je me tiens en état d'ivresse. Tous les jours en relais, tous les jours en relais, tous les jours en relais, mes plans se déroulent pas de stress. Tous les jours en relais, tous les jours en relais. On est toujours chez soi, entre gens qui se respectent. Entre gens qui se respectent, yeah. Les seuls qui te jugent pas, ils te parlent d'espèces. Ils me parlent d'espèces. J'ai du mal avec les humains, ça remonte à ma première bouffée d'air frais. J'ai moins peur de canner que d'une vie de merde dans la cave. Donc en tout cas, donnez-lui de la force. On compte sur vos teams, Nyamangulu. Abonnez-vous, commentez et dites que vous venez de nous. Nyamangulu, dites un team. La vidéo va commencer dans 3, 2, 1. Zippy. Bonjour à toutes et à tous, ici les Tukwazi, les moines de la folie. Ah merde. Vas-y, on reprend. Bonjour à tous et à toutes, ici les Tukwazi, les moines de la folie. Bande de Nyamangulu. Bon, du coup, c'est quoi aujourd'hui? Les gens nous regardent. C'est quoi, Jacob? Dis-nous quoi aujourd'hui là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ça en fait. Ouais, différents types de corps. Voilà, et on va demander aux filles de choisir. Voilà, lequel est préféré, quoi. Un ou plusieurs choix. Salut, tu vas bien? Bien, et toi? Très bien. Bon, tu vois ici, du coup, il y a différents types de corps. Ouais. Dis-moi lequel est ton préféré. Tu peux en prendre un ou plusieurs. Le C et okay. Le D. C et D? Ouais. Et EB, non? Non. Ok, alors dis-moi pourquoi le D et le C? Le C et le D? Je sais pas, je préfère quand il y a des muscles, je préfère. Muscles, mais pas trop trop de muscles, parce que le B aussi, non, il y en a. Pas trop, un petit peu. Le C et D pour toi, c'est le must, le must. Ouais. Ça marche, ok. Je dirais le C. Pourquoi le C? Pourquoi le C? Parce qu'il est pas trop musclé, pas trop gros, c'est parfait. T'aimes pas quand c'est trop musclé, toi? Non. Hein? T'aimes pas? Non. Et pas le E, le F, le G? Non, le C, il est parfait. Ok, c'est parfait. Le D. Et le C. Aussi le D, le C? Ouais. Et pareil, pourquoi ça? Parce que... pas le E ou le F ou le... parce que c'est bien quand bah, c'est un peu musclé, mais pas trop. Parce que... Ok. Le D pour toi, il est assez musclé, ça va? Ouais. Ok, et le C aussi, du coup. Ouais. Celui-là. Le C. Et pourquoi le C? Et c'est pas le B ou le A, par exemple? Parce que c'est trop musclé, là. C'est too much. D'accord. Là, c'est bien. Ou le D aussi, C ou D? T'aimes bien quand il y a un peu de gras, quoi. Un petit peu légèrement, quoi. Moi? Ok, ça marche. Mais là, c'est trop. Là, c'est là, c'est le F, c'est trop? Le C et D, c'est bien. Tu peux prendre un ou plusieurs, hein. Ok, je prends le C. Ok. Et pourquoi pas le D aussi? Le D aussi, d'accord. Pas le F, B, A, non? Celui-là, non? Non, ça c'est trop et ça c'est un peu... Un peu quoi? Ça c'est trop musclé et ça c'est... Enfin, ça va, mais je préfère celui-là. Ok, et pourquoi tu préfères le C et le D justement? Le C et le D. Ouais, les deux. C'est musclé mais pas trop. D'accord. Entre le A, le B, le C, le D, E, F, G, H. Le C. Pourquoi le C? Parce que je trouve que, je sais pas, c'est pile juste le milieu, parce que là c'est trop gros, on va dire. Ouais. Bah après j'ai rien contre les personnes gros. Hein, ouais. Et là c'est trop excessif. Du coup c'est bien comme ça. En fait, toi c'est quand c'est trop musclé, t'aimes pas trop, non? Ah ouais, non, pas du tout. D'accord. Bah entre le D et le C, ça va. D et C. Ouais. Et E, non? E, non. Ok. B. Mais quand même, c'est musclé. Non, c'est trop, ouais. Non, c'est trop, ouais. Et A, c'est encore pire. Encore pire, non, okay. c'est trop. Et du coup, pourquoi le C et le D? Bah, parce que ça va, c'est tracé, enfin. Voilà quoi. Tracé. Enfin, c'est bien, enfin, c'est pas trop ni pas assez. C. Pourquoi le C? Parce qu'il n'y a pas trop de muscles et il n'y a pas trop de gras. D'accord, toi, c'est quand c'est trop musclé, t'aimes pas trop ça? Ouais, ça fait trop, ouais, c'est moche. Ah ouais, d'accord, je trouve que c'est moche, ok. Bah, ça, c'est super moche, hein. Il y a trop de veines qui sortent et tout, c'est moche. Moi, j'aime bien, hein, honnêtement, mais bon. Non, c'est moche. Ok, d'accord, bon. C ou D aussi. Pareil, C ou D. Ok, et pourquoi ça? Bah, parce que, bah, comme elle, je trouve que c'est pas trop et c'est pas. C'est bien pas, en c'est fait. C'est pas trop musclé, c'est pas trop gras, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est entre les deux. Ok, du coup, t'aimais le mec assez musclé, du coup? Bah, normal, un petit peu, quoi. Attends, c'est le retour? Le C et le D. Le C et le D? Ouais.
J'aime pas quand c'est trop. D'accord, quand c'est trop musclé, t'aimes pas. Et quand c'est trop gros, t'aimes pas trop. Non, j'aime pas trop. Mais quand c'est genre bien équilibré, quoi. Ouais. Okay. Le D ou le E? Le D ou le E? Ouais. Ok. Et pourquoi pas le B, C, F, G, H, I ou... Bah... Après, ça me dérangerait pas, hein. Mais... Mais c'est des préférences, quoi. Ouais, préférences, je préfère... C'est... Pas trop musclé, mais... Genre, ça va. Ok, ok, ça marche. Alors, j'aime bien le E. J'aime bien le E, d'accord, ouais. Voilà. Après, le D. Le D. Et en dernier, le C. Pourquoi le E et le D, par exemple, en premier? Parce que j'aime mieux quand il y a un petit ventre, c'est tout doux. J'aime pas quand il y a trop d'abdos, ça fait trop dur. On peut pas trop faire dur. Des câlins. C'est bien quand c'est un peu moelleux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est mieux. C'est un peu mignon, mignon. C'est ça, voilà, mignon, exactement. Quoi. La C et la D. C et D? Ouais. Pourquoi ça, dis-moi? Ah, parce que tu vois, y a pas trop de muscles. Et ah. Quand c'est trop tracé, en fait, je trouve ça moche. Quand c'est comme le B, t'aimes pas parce que c'est trop, trop musclé. Ouais, c'est ça, en fait. Kim Zaka. Bah, pas assez tracé en fait. Ça marche, ok. Le D et le C. Pourquoi le D et le C du coup? Parce que c'est. Il y a un peu, et, mais pas trop. Genre, pas trop. Parce que trop c'est moche et. Enfin, genre ça c'est dégueulasse quoi. Surtout que trop musclé c'est pas. Ouais, non, c'est beau. Moche, j'aime pas. D'accord, et trop de graisse t'aimes pas trop aussi? Normal quoi. Normal bah, quoi, ok. Ouais. Okay. Celui-là. Le B? Ouais, le B et le C. Le B et le C, ah ouais, toi tu aimes bien les mecs musclés quoi. Ouais. Bien musclé comme Bruce Lee. Pas trop, pas trop. Comme A. Ah non, du coup. Non, pas A, c'est tout. Et qu'en dis-tu de D, E ou H ou... Non. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont un gros ventre. Le E et le D. Pourquoi le E en premier? Parce que quand il y a trop, ça fait faux. C'est fake, tu trouves? Ouais, ça c'est fake. Hein. C'est fake, tu sais pas. Ah ouais, j'aime pas du tout. Pourtant, c'est genre équilibré, genre ouais. Mais pas trop non plus. Ouais. Ok, ça va. Le A, B, blablabla. Le D. Le D. Tu ouais. Peux prendre plusieurs. Hein. Bah, le D, allez, le C. Ok, D et C. Pareil, C D. CD, tout, ouais. Non, toi c'est CD, c'est pas DC, c'est différent. Non, DC, ouais. Ok. Ouais. Et pas le E, F, H ou B? Non. Ok, alors. J'ai le choix, non? Non, non. Et pourquoi vous choisissez le C et le D? Parce que avant c'est trop. D'accord. Et après c'est. Trop quoi? Trop musclé. Trop musclé. Mm-hmm. Et après? Et après c'est trop gras. Mais c'est bien quand il y a un petit peu de. Un petit peu le E, ça oui. Va le E quand même, non? Bah, ça va, mais tu me demandes lesquels je préfère. Ouais. Pas non, en vrai, ça va. Ça mais va. Quand même, je vous éclaire un peu. Le C. Ouais. Le D. Ouais. Et c'est tout. Pourquoi pas le A ou le B ou le E et le F, par exemple? Parce que A et B, déjà, c'est trop musclé. D'accord. Et F et G, ça se voit, c'est des personnes qui veulent pas prendre soin d'eux. Genre, qui se laissent relâcher. Genre, ils veulent pas avoir un beau corps. Et moi, okay. Je préfère les personnes qui prennent soin d'eux, genre, qu'ils ont un beau corps. Le D. Ouais. Et le E, c'est okay. Tout. Ok, pourquoi le D et le E par exemple? Bah parce que c'est le D c'est genre une intermédiaire, c'est genre entre le A, le B, le C. Parce que ça c'est trop musclé, genre ça c'est pas assez, donc pas c'est assez. Entre les deux. C'est et trop ni ma musclé, ni ma gras ici, c'est pour ça. Y a trop, quand c'est... Soit il y a trop, soit il y a pas assez. Okay. Donc entre les deux c'est mieux. Ok, ça marche. Ou même rien c'est bien aussi. Hein. Même mais rien faut juste pas que ça soit gros. Ok d'accord, ça marche. Le Niama corps qui te plaît. Le C. Ouais. Et le D. Pourquoi le C et le D encore? Parce que déjà c'est joli. Ouais. Et parce que ça se voit, genre ils sont sportifs. Alors que le A et le B c'est trop. C'est trop. Mais eux aussi ils sont très ouais, sportifs, ils travaillent trop, aussi. Hein. Non mais c'est trop gonflé quoi. Ok. C'est moche. Et okay. Et après le reste, ils se laissent aller quoi. Ok d'accord. Donc toi tu aimes les hommes sportifs qui prennent soin d'eux? Ouais, mais après s'il n'y a pas genre ouais. Les tablettes et tout, ça me dérange. Comme pas. Le E, tu vois, comme le E par exemple. Ouais, voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un commentaire, ni un pouce bleu, tout. Et dites en commentaire, les filles, ce que vous préférez, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-le en commentaire le corps que vous aimez. Ok. Dites-le. Merci à vous. Ciao.